4. Patrick Roulois, ah, l'homme de Saint-Pierre-la-Cour, ancien jockey émérite, qui a gagné, qui a battu un record de vieillesse, non pas lui-même, mais il a monté un jument dont j'ai oublié le nom, à 16 ans, sur l'hippodrome de Nuit sur Vicoin quand il était jockey. Il est devenu éleveur, avec réussite, parce que ce passionné de football qui donne des noms de stade à ses produits a notamment fait Dortmund Park et United Park. Dortmund Park en 230 000 euros Arcana, gagnant de groupe 1 en Irlande sur les boulons de Punchestown, et on va marcher. Une origine qu'on aime beaucoup dans la région, hein, c'est de l'origine qui descend du regretté Armand Humeau, avec notamment cette matrone Ulysse Morinière. Je crois qu'avant, même c'était Pélagie qui avait cette fiche-là. Ulysse Morinière qui avait à l'époque, sous l'entraînement de Étienne Linder, cet anglo de complément, entraînement d'Étienne Linder, c'est la selle de Gigi Manceau, avait battu le crack Yusfung à la lutte dans le prix du Bourbonnais sur l'hippodrome de Évry, et Yusfung était monté alors par Cachafnissen. Alors ça surprenait beaucoup les idylles parisiennes de l'époque qu'un jockey d'obstacle de l'Ouest puisse battre à la lutte le crack jockey Cachafnissen. On va trotter, et donc cette famille a été récupérée par judicieusement récupéré par Patrick Roulois avec Goldulissa, une fille de Canoudal qui avait des aplombs, on dirait, poétiques et qui l'ont empêchée de courir, en fait, elle était vraiment tendue, et donc elle est devenue poulinière. Elle produit par contre, elle, très droit, et ça c'est très très bien, et elle est devenue la grand-mère notamment de Dortmund Park et la mère de United Park. Elle a eu Filia, qui était une très très bonne jument aussi en